raison à la sorcellerie dans ta vie. C'est que quand les sorciers veulent te manger, ils te mangent. Ils sont là, les créanciers. Elle dit, les créanciers sont là, ils sont venus prendre mes enfants pour faire de vous des esclaves. Ils ont fait de vous des esclaves. C'est ce qui sont ça qui condamne le fétichisme. Nous ne nous ramenons pas au Moyen-Âge. Nos parents adoraient ça, ça n'a rien à foutre à l'Afrique. Ça constituait des hôtels sataniques, on n'est pas fini dans nos familles, dans nos vies. Il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. À qui chacun d'entre nous doit croire. Il n'y a qu'un seul sacrifice auquel chacun d'entre nous doit croire, c'est le sacrifice de Jésus. En dehors de lui, il n'y a point de sacrifice, frère. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, c'est là. Il a fallu une action du prophète pour détruire cette présence. Il te faut une action pour détruire cette présence. Il y a une présence. Il faut que cette présence soit détruite. Amen. Tu as quelqu'un qui a une présence. Il faut que cette présence soit détruite. Je sais que tu ne comprends pas toi-même. Arrivé à un moment donné de ta chrétienté, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu as même fait des formations en théologie. Tu as toute cette connaissance. Tu fais la théologie pour maîtriser mieux la Bible. Tu gênes, tu suis beaucoup de choses bibliques, mais tu ne progresses pas dans ta vie. Il n'y a pas d'avancée spirituelle. Parce qu'il y a un esprit là qui te réclame, qui te possède. C'est ce qu'on appelle le droit légal des démons sur vos vies. Vous allez dire, mais j'ai accepté Jésus. Ça ne suffit pas. C'est, tu l'as accepté. Mais est-ce qu'on l'a délogé? C'est pour ça qu'il est dit à mes collègues pasteurs, ne vous arrêtez pas au stade, le monsieur venant à l'église. Il faut le prêcher l'évangile. Or, si monsieur est possédé, qui n'est pas délivré, vous allez beau le prêcher l'évangile, sa vie ne changera jamais. Amen. Souvent, les gens disent, non, sors de l'église. Toi, on n'a plus besoin de toi ici, bah, tu es possédé, quitte. L'église ne doit pas excommunier un fidèle. L'église doit être à mesure de délivrer les gens. Les gens se retournent dans les conneries parce qu'ils sont possédés. On ne vient pas à Jésus lorsqu'on est délivré. On vient à Jésus lorsqu'on est possédé. C'est pour ça que Jésus m'a dit, vous qui êtes chargé, vous, venez à moi. Je vous donnerai du repos. On remet tout sur Jésus. Or, quand vous avez déjà pratiqué encore la franc-maçonnerie, c'est encore grave. Ça demande encore des pactes. Il y a des pactes informels que nous avons tissés avec le diable. Le fait même de prendre un mouton le matin, d'aller offrir ça une rivière, c'est des pactes. Tu as pris des poulies, tu es allé donner un marabout, il a coupé, c'est des pactes. Et ça existe dans ta vie. Or, le diable va réclamer ça. Parce que tu as oublié de donner ça toujours. Or, il y a une réclamation. Or, quand il y a une réclamation là, il va toujours t'attaquer. Et c'est ce que nos parents font. Parce qu'en allant adorer le fétiche, ils ont tous dit, je viens t'adorer, hein, mais protège-moi et mes petits et arrière-petits-enfants. Donc c'est un pacte éternel que les parents ont tissé avec les esprits. Et c'est ce qui nous dérange sur le continent européen, africain. C'est ça qui nous dérange. Or, ça n'a rien à voir avec les lieux. C'est ça les pactes, c'est spirituel, c'est les liens. Tu es même quelque part où les gens doivent progresser, avancer. Toi, tu es influencé par cet esprit. Il t'accompagne partout, il te suit partout. Amen. Amen. C'est ce que je suis venu briser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il faut que ça soit brisé. Tu ne dois plus être esclave d'un démon. Tu ne dois plus être un esclave d'un esprit. Amen. Tu dois rencontrer l'homme de ta vie. Amen. Il va te comprendre. Amen. Avec beaucoup d'attention, tchéchée. Tout ça, c'est important pour une femme. Amen. Elle attend matin chez elle. C'est plus que 1 million de retours. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne rencontreras plus une femme qui a été chassée de la maison. Parce que ici c'est comme ça. Et tu prends ton sac à dos, on est un lycéen. Tu vas donner la voiture. On est un lycéen. Sac à dos, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas donner la voiture. On est un lycéen. Tu fais pitié. Elle s'en fiche. Quand tu es délivré, tu rencontres la chair. Les os de tes os. Amen. La chair de ta chair, les os de tes os. Prêt à te supporter. Amen. C'est ça. C'est le plus et le moins qui vont ensemble. C'est ce qu'il dit aux gens. Plus sur plus, la même masse. Il va avoir pas là.
pas besoin de vous enseigner sur le mariage. J'ai une petite expérience dans ça. Plus ce plus, chacun son caractère. Celle qui peut te supporter là, c'est elle-même. Tu dis même pas amen. Amen. Chacun son caractère. Le caractère, chacun ça. C'est celle qui peut te supporter, on appelle aide. Eve. Qui veut dire aide. Elle veut supporter ton caractère. Amen. Tu n'es pas dressé comme un chien, comme un caniche. Elle veut supporter ton caractère. Amen. Elle te supporte. Elle peut t'aider. C'est comme un bébé qui vient de naître avec ses caprices. On l'entoure de l'amour. Après, on espère qu'il va changer. Pour lui donner une éducation doucement. On ne brigande pas l'enfant ou le monsieur ou la femme. Il faut être patient, il faut te donner des conseils. Amen. Amen. Il y a tout ça ici. Vous venez, non, il n'y a pas de mari. Mais ta bouche n'a qu'à être des amis. On est poudré russe. Les âmes anticonventionnelles, c'est là. Comme un boule, mais c'est déménage. Lui-même sort de la maison, il veut tout rester. Il déménage, il prend valise, voilà, pardon. Pardon, c'est ce que tu viens de me donner comme truc là, c'est trop fort. C'est missile. C'est missile, c'est trop fort. Tu déménages. Amen. Or, une maison où il n'y a pas la paix, ça devient un atelier de Satan. C'est clair. C'est ce que vous devez comprendre. Où il n'y a pas la paix. Je sais que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Frère. Amen. C'est vraiment important de vivre avec une personne qui nous comprend, qui est prête à nous supporter, qui est prête à cacher nos faiblesses. Pas nous exposer. Si tu es une femme qui t'expose, c'est pas elle. Si tu es un homme qui t'expose, c'est pas Adam. Il faut toujours prêt à couvrir et aimer. Amen. Priez toujours pour ça. Amen. Vous ne devez pas échouer dans le mariage. Amen. Si tu n'es pas prêt, ne nous mets pas dedans. Il faut bien réfléchir et bien étudier. Dans 10 ans, 20 ans, si ça peut marcher. Ben Dieu, il y a le cerveau. Il y a une manière de faire pour voir. Si c'est pas ça, tu t'engages pas. Même si elle est belle, ça c'est design. C'est vrai, c'est design. Hein? Non. Même si c'est beau, même si c'est beau, c'est design. C'est économique. Or, quand tu rencontres la femme, tu n'iras plus dehors. Amen. Amen. Et on ne te dit plus rien. Parce que si tu es dehors, tu les ramasses, tu l'envoies à la maison, les démons. Dieu est en train de m'enseigner sur les esprits. Nous les ramassons, souvent nous envoie à la maison. Amen. Amen. Parce qu'on a fait, on a commis une infidélité. Les démons. Ils sont étonnés que non, c'est comme ça, c'est ce que tu as fait, frère. C'est toi qui as cherché et tu as trouvé. C'est pour ça que, frère, fais très attention. Les sanctions, vous voyez là. C'est vous qui donnez souvent raison. Si vous brisez le mur de protection de Dieu, et ils sont là pour frapper. Amen. Amen. Franchement, qu'il nous aide. Il faut que cette dette dont nous avons hérité, parce qu'on peut hériter d'une dette spirituelle, que cette dette la puisse briser. Amen. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ a payé la dette à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Il a payé la dette à la croix. Jésus a payé la dette à la croix. Il a payé la dette. Il nous a racheté nos vies dans la. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Est-ce que nous pouvons prendre la Bible Galates, le chapitre 13, à partir du verset 14. Galates. Amen. S'il vous plaît, Galates 13. Ah ouais, pardon, 5 aussi, excusez-moi. 5, 5. 3 même, commencez par 3. Si vous y êtes, allons-y. Ô Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les vœux de la loi, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de l'esprit, de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé
par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit... Allons-y dans le 3 plutôt, excuse-moi. Dans le 3, chapitre 3, le verset 13. 3, le verset 13. Excusez-moi, c'est 3, le verset 13. Galates 3, le verset 13. Chapitre 3, le verset 13. Je lis la parole. Christ. Oui, allons-y. Christ nous a racheté de la malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque. Est pendu au bois. Amen. Amen. Que la Dieu bénisse. Amen. Ça, c'est un message très fort. Amen. Amen. Donc, Christ nous a rachetés. Vous savez, quand on parle de rachat, c'est-à-dire répayer. C'est-à-dire qu'on a racheté la chose. C'est tout d'abord vendu. Nous étions vendus, esclaves d'une gestion, et Jésus-Christ vient nous répayer. C'est-à-dire qu'il nous paye à un grand prix. Quand tu vends ta chose, par exemple, je prends un portable, un téléphone portable, vous le vendez à quelqu'un, quand vous venez racheter la chose, il augmente pour lui mettre quelque chose parce que c'est que vous avez besoin de la chose. Et la Bible dit que Christ nous a racheté un grand prix, étant lui-même devenu malédiction. Pourquoi? Parce que dans la loi mosaïque, ce n'est pas n'importe qui partait à la croix, c'était les hommes de mauvaise vie, les pécheurs, les criminels qui montaient à la croix. Donc Jésus l'a fait pour nous. Amen. C'est pour ça qu'en croyant lui, ses œuvres sont jamais détruites. On dit amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire sur votre vie? Mais quelle est l'action qui a été menée? Qui a brisé ça sur ta vie? Rien. Donc tu demeures encore esclave. La croyance en Jésus ne suffit pas. La Bible dit que Dieu aimait le monde qu'il a donné son Fils en fait. Et quiconque croit en lui, qui est la vie éternelle. En croyant en Jésus, on a la vie éternelle. Mais pour émerger sur cette terre, il y a une délivrance à faire. Quand on n'est pas délivré des liens, on a l'impression qu'on ne vit pas une vie. Amen. Et c'est ça le problème des gens. Ils sont à l'église, bien sûr. Mais c'est comme si tu n'es pas chrétien. Parce qu'ils sont influencés par les démons. Les démons peuvent vous détourner la tête, vous emmener dans un péché pas possible. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes retrouvé dans ce genre de péché. Mais c'est comme ça. Amen. 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 Ce n'est pas étonnant que Salomon ait 1000 femmes. Parce que son papa était Zaza. C'est ce qu'on appelle le péché héréditaire. Celui qui a cherché plus de femmes, qui a cherché femmes, c'est David. Amen. Donc il y a des péchés qu'on doit avoir hérités, mais d'une famille. Tu ne viens pas de toi, tu as hérité, il y a des péchés héréditaires. Tu vois, les gens, eux, dans leur famille, c'est le sexe qui les intéresse. Les gens dans leur famille, eux, c'est la colère, ils n'aiment pas là. Or, quand tu es palabre, il sera difficile qu'un homme s'attache à toi. Amen. Ou bien une femme s'attache à toi. À moins que toi, tu aies un tempérament doux. Sinon, si tu as deux caractères, c'est masse à la main. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit brisé. Or, une action doit être menée. De toute façon, le baptême est important. Le baptême est tellement important qu'on enseigne, on parle du baptême. Les actions sont beaucoup importantes. De délivrance. C'est ce que j'ai toujours dit à mes collègues. Vous enseignez des gens qu'on n'avait pas délivrés. Vous ne vous étonnez pas si je retourne dans les péchés. Vous ne vous étonnez pas si ils ne sont pas bénis. Parce que vous ne mettez pas l'accent sur la délivrance. Or, il faut délivrer pour enseigner. Quand une personne vient à l'église, l'action qui doit être menée, c'est la délivrance. Il faut délivrer la personne. Les autres me posent la question, mais comment? Mais la personne a des démons. Elle vient mener une action de délivrance. Priez pour elle, puis rassurer que le monsieur est délivré. Or, si le monsieur est délivré, consacre la personne à Dieu. Les gens consacrent à des familles, à des démons. Consacre-la à Dieu. Parce que ses aïeux ont été consacrés aux démons. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Dans le même Galate. Vu que c'est étranger la parole, il rentre ici à gauche, un nouveau test. Il comprend nouveau et l'Ancien Testament. Vous êtes étranger à Jérusalem. Galate, le même Galate, le verset 28 et le verset 29.
28. Non, le même chapitre 3. Le verset 28, le verset 29. Vous avez envoyé la bouteille d'huile? Oui. Il y en a plein. Oui, allons-y, vous êtes. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Écoutez très bien. Réponds le verset. Le verset 28. Le verset 28. Mm-hmm. Il n'y a plus ni juif, ni juif, ni grec, ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Ni esclave, toi qui étais esclave, ni libre. Le verset 29. Et si vous êtes à Christ? Si vous êtes à Christ? Vous êtes donc la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Allons-y. Héritier selon la promesse. Amen. Héritier selon la promesse. Vous vivez à Paris. Regardez la vie des Juifs, les plus belles vies. C'est pareil? Oh. Ça saute à l'œil en regardant ceux qui sont bénis. Ce que la Bible nous dit dans le verset 28, il n'y a plus de Juifs. Le Juif que tu vois là, et toi, esclave que tu étais avant, vous êtes même chose dans le Seigneur. Amen. Amen. Même chose dans le Seigneur. Mais c'est parce qu'une action n'a pas été faite sur ta vie que tu es comme un homme des Arocos. Moi, je suis des Arocos. Hein. Non, je parle des Arocos de l'autre côté. Amen. Amen. Il faut qu'on vous consacre, qu'une parole soit sémée dans votre vie. Amen. Oui, désormais, tu étais des temps, mais désormais, tu es maintenant du royaume. Amen. Tu appartiens au royaume de ta partie. Amen. Amen. Tu appartiens au royaume de Dieu. Amen. Et quand il y a un héritier, ce qui appartient à ton papa là, c'est pour toi. Amen. Vous faites dans la maison de ton papa être esclave. Vous êtes les enfants adoptés. Adoptés, on n'a pas besoin de ça. Vous êtes des enfants légitimes. Amen. Vous n'avez pas l'héritage de Dieu. Amen. Satan a menti. Ce qui est vrai. Il t'a volé ta santé. C'est un menteur. Parlez souvent à Satan. Il y a des choses qu'il a faites qui ne sont pas normales. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas ses maîtres tissus que nous sommes venus. J'ai vu les miracles pathétiques, des grandes choses que Dieu a opérées sous mes yeux, qui ont dépassé ma connaissance. Les personnes infectées par, qui avaient le problème de qu'on appelle la tuberculose chronique, en quelques 5 minutes, ça disparaît, le monsieur va faire des textes, on dit ça disparaît. Amen. Ah, ça va. Le chef parti. Amen. Amen. Et Dieu va te restituer et ça, ta guérison. Amen. Amen. Dieu est capable d'opérer ton miracle. Il est encore capable de te guérir. Il est encore capable de te délivrer. Il y a ce qu'on appelle souvent des maladies héréditaires. Tu viens dans la maison et il y a tension. Et c'est en train de toucher tout le monde. C'est une maladie héréditaire. C'est une malédiction. Tu dois être brisé sur vos vies. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne doivent plus exister. Jésus a déjà prié à la croix. Amen. C'est ce que nous allons dire à Satan. C'est parce qu'il n'a pas reçu une parole forte. C'est parce qu'on n'a pas encore parlé à Satan sur vos vies. Qu'on a l'impression que Satan est en train de régner sur vos vies. Quelque chose. Nous allons dire quelque chose à Satan. Or, la parole, vous voyez, est une sémence. Qu'est-ce qui a été semé sur ta vie? Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Qui influence et qui effraie Satan? Si rien n'a été fait, le diable continuera d'agir. Amen. Vous dirigez des gens. Vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu. Vous devez être convaincu que le peuple est béni. Si le peuple n'est pas béni, allez gêner. Demandez au Seigneur de vous parler. Parce que la force de votre ministère doit être la bénédiction que je récupère dans la vie de vos fidèles. Amen. C'est quand vos fidèles sont bénis qu'on est en homme de Dieu. C'est pas quand toi tu es béni. Amen. C'est pour ça que les gens m'attaquent. Je leur dis la vérité. On est homme de Dieu lorsqu'on connaît que les fidèles sont bénis. Amen. On est pasteur, ok. On est homme de Dieu, ok. Mais c'est toi qui paye
poche Caïn. Tu achètes une maison, tu dis au fidèle, va gêner. Tu te jettes 3 jours. Et quand tu manges pour la soirée matin, tu es dans la pizza. Le fidèle ne mange pas. Il n'a qu'à faire jeûne sec. Vous pouvez coquer même.